Et bonjour, donc nous voici pour une petite présentation et une petite review des nouveaux sables, enfin des nouveaux du moins produits des sables du désert. Pendant des années, on avait sorti une version déjà qui était différente de celle des autres, avec tout ce qui est, avec tous les autres produits qui à chaque fois malheureusement ne devenaient jamais noirs et à la fin jamais transparentes non plus. Enfin, du moins c'était toujours quelque chose d'opaque. Et on a eu la chance de connaître des versions un petit peu, enfin surtout des trucs qu'on a entre guillemets vraiment inventé nous et pouvoir faire ces routines-là, du moins le changement de couleur par des principes ultra simples avec des produits vraiment, alors bien sûr c'est les nôtres, mais moins difficiles à transporter et à utiliser que les produits de base. Et là, à force de travailler encore ce truc-là, parce que il y avait alors nous nos produits, alors bien sûr je vais pas les citer, mais c'est toujours trois sortes de produits. On a vraiment trois bouteilles. Avant il y en avait deux qui étaient en liquide, et maintenant on en a supprimé un. Donc c'est-à-dire que en plus c'était des produits, alors bien sûr avec ce qu'on faisait, on faisait 20 utilisations dans l'année, forcément les gens le passaient, mais quand on le conservait un petit peu plus longtemps, c'est un produit qui se dégradait, et du coup maintenant on n'a plus ce produit-là. Donc on va dire que j'ai réinventé le système, j'ai trouvé d'autres trucs, et du coup il n'y a que des inconvénients, parce que donc la première chose, alors bien sûr avec ce qu'on fournit on fait toujours 20 Que utilisations, des il n'y a pas de avantages. souci. Oui, que des avantages, oui. T'as dit que des Ah, que des inconvénients. inconvénients? Ah Que des avantages. On a supprimé certains inconvénients. Et notamment deux qui sont quand même pas mal. Donc le premier, déjà, donc, on va dire ça va être entre guillemets le transport de ce produit parce que c'est plus en liquide, même si bien sûr on peut le préparer à l'avance et faire du liquide, mais du coup ça se transporte en flocons, on va dire. Et la deuxième chose, c'est qu'avant, on fournissait le produit pour faire 20 utilisations. C'est-à-dire que ce qu'on faisait, on fournissait une certaine dose pour faire 20 utilisations avec 2 litres d'eau dans la vasque. Maintenant, avec ce produit-là, je me suis aperçu que, S'ils en mettaient 3, oui. s'ils Alors, avaient si 3 on faisait avec litres, 3 litres d'eau suivant la vasque qu'on utilisait, ils n'avaient plus que 15 automatiquement, utilisations. on avait des utilisations moindres puisqu'on était obligé de mettre plus de produits. Avec ce nouveau produit, de 2 litres, enfin on va dire de 0 litres, mais bon c'est complètement ridicule, jusqu'à 5 litres 25 exactement, on a la même qualité de noir sur scène. Qu'on mette 2 C'est-à-dire que litres, 3 litres, 4 litres, ça 5 changera litres, c'est rien. pareil, Voilà. Donc c'est là, toujours 20. exactement. Donc c'est ça qui est bien. Après on a essayé de faire un peu plus, bon ça commence à être un petit peu plus clair, donc c'est pas l'idéal, mais pour avoir un beau noir comme vous allez voir ici, jusqu'à 5 litres et demi, 5 litres 25, pardon, c'est l'idéal. De toute façon, plus de 5 litres. Déjà, 5 Ben litres, c'est beaucoup. là j'ai 3 litres et demi. Donc sur une vasque qui fait là j'ai fait des pans de 20 moi. Donc sur une vasque qui fait 24 cm de diamètre, vous voyez déjà quand même le volume d'eau que ça fait. Donc c'est rare d'utiliser beaucoup plus. La plupart du temps les gens utilisent moins. Mais voilà. Donc Déjà, c'est un gros avantage que c'est tu pour vous puisses donner un faire, ordre d'idée. que tu vends pour 20 et ça sera toujours 20. Alors donc c'est parti. Donc j'ai ouvert. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire la routine des sables en jetant les sables tout ça à l'intérieur. Je vais juste vous montrer le changement d'état de couleur du liquide. Donc comme on peut voir déjà, on a une eau qui est limpide. Alors bon, alors que sur les toutes premières versions, on avait une eau qui avait tendance à être orangée, voire Ah déjà un oui, peu. là c'est vrai, elle est prête à démarrer. Donc c'est Oui. vrai qu'elle est vraiment oui. Ah ben là, si je prends l'eau, je la bois, je peux la boire. C'est ça qui est Oui, intéressant. en plus. Ouais, ce qu'on ne pouvait pas faire avec des produits d'avant. Enfin, du moins, c'était un peu plus dangereux. Là, il n'y a aucun risque, je peux boire l'eau. Et c'est vrai qu'elle est claire. Donc Et elle est si claire. c'est l'eau de démarrage, elle est Ouais, vraiment c'est l'eau de démarrage. Donc, claire. je vais arriver comme ça. Bien évidemment, donc je vais arriver. Donc, je vais commencer. Donc, musique. Hein, on va tourner les mains comme ça dans l'eau. Alors, bien sûr, on peut montrer à chaque fois nos mains vides. Je tourne. Hop. Et tout en tournant, regardez bien, donc je vais commencer à tourner tout ça. Et en fait, en tournant tout ça, l'eau, elle va commencer à changer de couleur, à devenir entièrement noire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très noire. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Hop. Hop, elle est vraiment très noire. Hop. Donc une fois que ça, c'est noir. Hop. Ici.
Donc on peut vraiment voir, c'est, enfin, même du dessus, si on regarde, bon, c'est foncé, foncé. Hein. Donc là, imaginez si donc ma main, je la mets là, c'est complètement, on ne voit pas les sables. Hein. C'est, il faudrait vraiment que je sois collé ici, et encore, je n'ai même pas dit, pas sûr qu'on voit. Voilà, t'es plus voilà, je suis collé là contre la vitre. Hein. Si ouais. Je recule ne serait-ce que de 3 cm, c'est totalement invisible, donc on ne voit plus rien. Donc c'est vraiment un noir total. Ça, c'est assez intéressant. Une fois qu'on a le noir qui est fait, eh ben, c'est très simple, on fait nos sables, et dès qu'on veut la faire changer de couleur, pareil, les mains sont montrées vides, les mains, donc là c'est, on est même plus clean que ça, la main est plongée dedans, on tourne, donc ça prend quelques secondes, hein, et une fois qu'on tourne, on voit bien que l'eau commence à devenir transparente, entièrement transparente, jusqu'à complètement redevenir par rapport à l'autre produit, donc limpide. Alors on a encore un petit bleu léger, mais bon, qui va durer quelques secondes, et après au bout d'une trentaine de secondes, quand on remue, enfin bon là on voit bien que d'entrée elle est redevenue limpide, hein, elle est complètement claire. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est pas comment on appelle ça, elle a pas cet aspect laiteuse, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc elle a quand même, enfin là c'est entièrement transparent. Quand vous le voyez comme ça, on a encore un léger bleuté, un léger bleuté qui va s'estomper, on va dire dans la trentaine de secondes que je parle. Mais là il faut imaginer que vous voyez ça à 50 cm, d'accord. Donc et en plus bon, moi je suis sur un fond comme ça, donc si je m'enlève, voilà, il faut imaginer qu'on ait ça sur scène. Il faut imaginer, donc regardez par exemple, petite astuce, on a acheté nous un chandelier comme ça, et quand on retourne et qu'on pose ça dessus, ça nous fait notre vasque. Donc là, quand on voit ça, il n'y a aucun souci, on a de l'eau qui est entièrement redevenue limpide. Donc c'est ça qui est quand même intéressant. Et vous avez vu que donc du début, bien sûr, mes mains étaient montrées vides, mais à la fin, quand le changement redevient entièrement transparent, je vais l'enlever parce qu'on est un peu haut, mes mains sont montrées entièrement vides. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, bien évidemment, j'y rajoute quelque chose. Ça, vous l'avez compris. Ça, c'est comme avant, de toute façon. C'est, oui, ça, c'est comme avant. C'est comme déjà notre deuxième version à nous. Ouais. Mais voilà, c'est d'une simplicité déconcertante. Et ben voilà, ça y est, on parle. Là, elle est redevenue entièrement claire. Voilà. Donc j'espère que... Et le gros avantage, c'est qu'on a baissé le prix. Alors, on est passé de 33, je crois, 35 à 26, un truc comme je ça. Ouais, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on a baissé le prix, ouais, quasiment de 10 euros. Parce qu'on a supprimé un produit qui, effectivement, que ça ne sert à rien de le vendre. Hein. Ça fait du transport pour rien, de la grosseur pour rien, parce que c'est du produit que vous trouvez à la maison. Enfin, du moins que vous allez acheter, je ne vais pas dire où, pour mettre là, voilà... vous mettre sur la voie et qui coûte entre 3 et 4 euros. Après, bien sûr, le reste des produits, c'est des produits mais, à nous. Ça. Moi, vous pouvez, souvent, ils en ont trop et c'est ça sert à leur redonner. Donc... Mais ce qui manquait souvent, c'était le premier produit, en fait. C'est-à-dire l'eau claire. Et ça, malheureusement, bon, on n'avait pas le choix. Et maintenant, avec la nouvelle petite trouvaille que j'ai trouvée, ça permet d'avoir un produit hautement déjà intéressant, moins cher et surtout... largement facile à transporter puisque et puis surtout à utiliser. Voilà, c'est ça qui est intéressant et on n'est pas trop limité dans la quantité d'eau. C'est ça qui est bien. Okay. C'est franchement, je vous avoue que là c'est pour avoir un noir vraiment très noir. Mais même si je mets encore 2 ou 3 litres d'eau dans la vasque, je vous garantis que sur scène, hein, je parle sur scène, hein, l'eau de la vasque elle serait noire quand même. Et ce qu'il faut penser, c'est que là vous le voyez vous à 50 cm et vous voyez un noir qui est vraiment très très noir. Mais sur scène, même ne serait-ce qu'une eau marron, comme d'ailleurs les premiers produits, les gens le voient noir, puisque nous on voit en fait une épaisseur entière d'eau, on ne voit pas par-dessus. Mais là c'est pour vous prouver, c'est pour ça qu'on l'a filmé de cette façon-là, que l'eau est vraiment noire. Un bleu vraiment très 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 foncé. Voilà, ça c'est... Pour nous c'est plus long à fabriquer. C'est sûr que c'est un petit peu plus long, mais... De toute façon on ne pouvait plus en avoir de l'autre, on n'avait plus en faire. Il nous manque des ingrédients. C'est sûr. Après, c'est plus long, mais ce qu'il faut voir, c'est le résultat final. Voilà. Donc après, ça, vous vous en foutez que nous, on mette plus de temps pour fabriquer ça. Ce qui compte, c'est le résultat. Et là, sur ce coup-ci, on est vraiment satisfait. Même si c'était bien le premier, mais voilà, comme ça n'existe plus, qu'on était obligé de retrouver un autre truc, eh ben, du coup, le fait d'y réfléchir, ça m'a permis, moi, de trouver cette solution
qui est bien. Voilà, donc pour redire, on va dire, et résumer tout ça, donc vous avez toujours 20 utilisations, c'est-à-dire 20 fois les sables du désert avec ce qu'on fournit, mais avec une quantité d'eau qui est maintenant nettement variable et beaucoup plus simple à utiliser pour vous en tant que magicien. Et voilà. C'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à dire de plus. Donc j'espère que le fait de vous avoir montré juste cette petite présentation de changement de couleur vous aura plu. Et du coup, sachez que du coup, nous, on a ces fameux produits qui... Enfin disponibles. Et qui sont introuvables ailleurs parce que c'est nous qui les fabriquons. Donc on est fiers de ça. Voilà. Donc ça, c'était une petite présentation des produits du sable du désert. Allez, à bientôt.